Salut les voyeurs! Qu'est-ce qu'il a fait chaud cette nuit? Ben oui, ben, hier soir il était, combien tu m'avais dit? 34 à 19h. Donc la chambre sympa, mais il n'y a qu'un petit ventilateur. Au plafond, mais en plus, d'habitude c'est monté sur une rotule et ça tourne, mais là il ne tourne pas. Donc on l'avait sur nous. Ouais. C'est bien et pas bien quoi. Ouais, voilà, mais on a réussi à dormir quand même, soyez rassurés. Hein. Ben oui, maman, quand même. Donc ce matin on reprend la route, enfin la route. Ça vous fait penser à quoi? Tu penses qu'on va prendre le bateau? Oui. Ah, il y a des chances parce que vu l'endroit où on va, il n'y aura pas le choix pour se déplacer, on peut dire d'île en île, il faudrait bien prendre le bateau. Et même déjà pour traverser le Mékong d'entrée. Voilà. D'où donc, mon petit t-shirt. On se rend au sud. Ouais, alors là, on va être carrément près de la frontière cambodgienne. Oui. Mais on va pas franchir. Ah mais non, on va pas franchir, c'est bon. Ouais, non, commencez pas à tirer des plans sur la comète. Nous sommes prêts. Ouais, c'est chargé et tout, il n'y a plus qu'à y aller. Eh ben, allons-y. Ok. Super, on peut pas partir. On est bloqué. Nini, ça commence bien. Donc maintenant, il faut embarquer le scooter sur cette petite embarcation. On a réussi à négocier le prix. Il nous avait annoncé 50 000. On a chipoté, on a demandé 40 000. Il a dit OK avec grand plaisir. C'est cool. Donc ce sont ces messieurs qui sont très sympathiques et qui nous ont fait un très bon prix pour la traversée. Merci à eux. Wouh ! J'ai bien fait de mettre mon petit maillot au petit navire. Oui, t'as raison, maman. C'est exactement ça. On peut enlever le casque, peut-être. Oui, on peut enlever le casque. Ouais, je pense. Qu'est-ce que tu fais, Wiki? Qu'est-ce qu'il t'a demandé? De tenir le scooter. Au cas où il tombera l'eau, je vais le retenir. J'ai dit bras droit, bras gauche. Thank you so much. Bravo Wiki. Ah, c'était génial, j'ai adoré. Ah, tu vois, c'est sympa, non? Ah oui. On pourrait dire j'ai traversé le Mékong sur une petite barque avec ma moto. Et Wiki, t'as vu ce qu'il y a en face? C'est magnifique. Oh, je sais que j'ai pas le droit de m'arrêter, mais c'est difficile. Hein. Ça va aider. Oh, que ça fait du bien cette petite pause au calme. Et pourtant, on n'a pas roulé beaucoup encore. Non. Il est 10h moins 10. Ouais. On s'est trouvé ce petit troquet sur le bord de la route. Donc derrière, on décharge du bois. Ouais. Devant, on en emmène. Ils ont tout le temps le sourire. Ouais. Il y a plus hier quand même, là où on était à Chambre. À Chambre-Passac, c'est vrai qu'on prend encore les 2 minutes. Ouais. Bah pour décrocher un sourire, compliqué, hein. Ouais, franchement. Ils n'étaient pas super avenants. Surtout que ça reste une ville. S'il n'y a pas ce site historique Khmer, personne n'y va. Hein. Faut traverser pour après retraverser. Enfin, c'est juste pour ça qu'il y a du monde qui s'arrête. C'était un peu moins... Ouais, c'était pas aussi avenant que d'habitude, aussi souriant. C'est pas très... bien grave. Ah non, c'est une constatation. Parce que jusqu'à maintenant, on a qu'un accueil magnifique, quoi. Donc il nous reste un peu plus de 100 km à parcourir.
sur cette route là, ouais, jusqu'au prochain embarcadère, ce qui nous permettra donc ensuite de rejoindre l'île de Dondette. Et bien, un peu comme tout le monde, on va aller sur l'île de Dondette, mais je sais pas si on va y rester. On verra, est-ce qu'on va sur celle-ci, est-ce qu'on va sur celle d'à côté, on verra. Au feeling, tout au feeling. Et puis suivant la disponibilité dans les logements aussi. Jusqu'à présent, on n'a rencontré aucune difficulté. Mais je pense que là-bas, il doit y avoir une grosse concentration quand même. Donc ça, ça sera peut-être un peu plus compliqué. On verra. Je suis au bout de ma vie. T'as mal aux fesses? Oui. On vient de faire 70 km encore là, depuis la dernière pause. Tout linéaire droit. De chez linéaire. Et d'ailleurs, il ne se passe rien. On s'est dit, ah, au prochain petit village, on s'arrête pour manger. Et bien sûr, pas bien de sûr. Village. Hein. À partir de ce moment-là, plus rien. Donc là, il y a enfin de quoi se restaurer. On va, à mon avis, par contre, tu n'auras pas trop le choix. Quoi. Oui, t'as bien fait de manger quelques nems hier soir et un riz frit parce que là, ça sera soupe ce midi. Et voilà, pas de surprise, soupe, soupe au bœuf, voilà. Comme d'habitude, généreuse à souhait. Ouais, belle plâtrée, hein, y a rien à dire. Vous vous rendez compte un peu de la Ouais, on s'en rend compte, mais en tout cas. Vous peut-être pas, mais nous, oui. À cette occasion, nous remercions le tipeur du jour. Qui ce n'est... serait pas Gilles? Oui, Gilles. Merci. Oui, merci de ta générosité. Grâce à toi, Mamou peut déguster une nouvelle soupe bien chaude. Et ça, c'est top, moi, je dis. C'est un réel plaisir. Merci beaucoup, Gilles. Bon appétit, les amis. On peut agrémenter... avec du chou. C'est du chou, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Moi, j'aime bien mettre ça dedans. Il y a de la menthe, parfois. Aussi. Moi, j'aime bien mettre un peu de citron. Bon, il n'y en a pas. Il n'y a pas de citron, mais il y a des feuilles de menthe. Oui. Eh bien, ça va être très très bon, comme d'habitude. Ça va nous réchauffer le corps. Oui, parce que là, il ne fait pas non plus des températures excessives. On est à... oh, non, en dessous de 40. Ouais, ouais, en dessous de 40. On est au-dessus de 34, mais on est en dessous de 40. Il n'y a personne dans ce resto. Non, on est les seuls et ça, c'est bien. Si, il y a deux petits... quatre oui. petits. Oui, les enfants. Ils nous regardent de loin, ils ont peur. Oui, ben, c'est normal, maman, quand ils te voient. Tu vois ta coupe de cheveux? Non, ça peut encore aller, non? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Je pensais, tu peux demander, comme tu dis, en takeaway, à emporter quoi en français. Seulement tu manges de la soupe ce soir. C'est à toi de voir, maman. Sinon tu finis ton assiette, enfin ton bol. Ton saladier. Ton saladier si tu veux. Il y a quoi? Il y a 500 grammes de pâtes. Oui. Pas non plus la fin du monde. Hein. Dis donc, après 10 minutes, ça descend pas bien vite cette affaire. J'en peux plus. J'étais tranquille sur le scooter, un petit courant d'air léger. Ah, je transpire de partout, hein, la moustache, les sourcils. Entre les fesses. Oh, c'est bon. T'es pas obligé de répéter tout ce que je dis. T'as vu, maman? Wiki est comme Alain Delon. Wiki apprécie les bonnes choses. Wiki aime cette soupe. Wiki ne transpire pas. Eh oui, voilà. Si j'ai bien compris, Wiki est comme Alain Delon, il nous fait chier, quoi. Alors, mon Wiki? 40 000. Oui. Oh là, je sais pas, maman. Franchement. Tu mettras le prix. Ici. Ouais. Ou là. C'est moi qui décide, ou là. Non, il n'y a pas de place de l'autre côté. Oh là là. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. J'étais juste en train de dire
Heureusement que le soleil tape pas comme chez nous. Paf, il vient de sortir. Ça cogne comme chez nous. Ouais. Ben oui, bien sûr, en plus fort. Oui. Oui. Traverser, les tarifs sont là. Vous ferez une petite pause sur image. On a trouvé un gars. Un Mickey. Une à trois personnes, c'est 100 000. C'est ouais. Ce qu'il a dit. Ouais. Voilà, bah c'est ça, ça fait 5,40. Et le scooter, il est compris avec. Allez. Vas-y. Il t'a dit que tu passais. Les galériens. Allez Wiki, dernière ligne droite. Wiki Aventure, un petit mot à chaud comme ça en non, direct. Que pensez-vous de cette expérience incroyable, amazing? Oui, amazing, mais c'est pas le problème. C'est, je veux pas abîmer le scooter, quoi. T'as vu où il me fait passer, sérieux. Si je le casse, c'est ça en fait. Après, si je tombe, je tombe, ça c'est pas grave. Bah mais, si, c'est grave. Non, on sait pas mal, il y a du sable et tout, mais c'est pas casser le scooter, quoi. Enfin, on est sur la barre. Oui. Sur ce catamaran à deux barques. Oui, hop, je vais essayer de pas tomber à la baille, voilà. Moi. Il y a plus qu'à se rendre sur l'île de Dondette. Et le pilote est là. Je sais pas si on va rester longtemps. C'est joli, mais c'est pas ici qu'on va rester. Non, on va essayer de se trouver un coin un peu plus tranquille, maman, t'inquiète. De l'autre côté de l'île. Il va falloir patienter. Allez les filles, on se pousse un petit peu, merci. Oh mais quelle chaleur, quel soleil. Et oui, je vous branche un petit peu, il fait froid en France, c'est normal. Nous sommes arrivés par bateau sur l'île de Dondette. Nous avons traversé un petit pont et nous sommes arrivés ici sur l'île de Duncan. Ici, derrière moi, une guest house, des petits bungalows, un restaurant ainsi qu'un bar. Oui, parce qu'à l'entrée de l'île, vous avez remarqué, pam pam pédup, c'est la fiesta. Beaucoup de touristes. À l'entrée de l'île de Dondette. De Dondette, ouais. Bien évidemment. Merci, Wiki Capello. Hein? Nous avons trouvé la guest house qui s'appelle Paca. Je mettrai le nom. Là ou là. Où je veux. Voilà. Suivez-moi, attention au contre-jour. Ah là, il n'y a pas le choix, maman, mais c'est pas grave. Oh ben alors, mon Wiki, t'avais cassé ta binette. On rejoue la scène, hein, sinon j'aurais la caméra dans la main, bien sûr. Mais je suis vraiment tombé, j'ai raté la marche. Eh oui, c'est comme ça. À vouloir cadrer absolument ma mouche, là, ce qui arrive. Donc, du coup,
Bah, tu vas continuer. Hein. Bah, on est face au Mékong. Enfin, face au Mékong. Un des bras du Mékong, parce qu'il se divise en de multiples bras ici, dans cette région des 4000 îles, maman. Waouh! Un pêcheur. Et la chambre est par là. Hop. Moi, je mets la clé. C'est là? Oui. Bonjour. 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 Et oui, beaucoup de Français, ils sont là. On essaie même plus de tirer, non. Ici, oui, c'est vrai. Enfin, c'est pas ce qui manque, on est beaucoup. On a bientôt fini à mettre du bordel. Hein. Ah, ça va pas durer longtemps. C'est ce que vous voulez. Mais pour lire, c'est pas pratique. C'est les vacances. Ouais, mais bon. Donc c'est toi qui présente, du coup. C'est moi qui présente, du coup. Ben voilà. Donc on a un joli petit bungalow avec un hamac qui est vu sur, comme je disais, un des bras du Mékong, un lit de place, super. Très bien. Quelqu'un apparemment a déjà amené nos sacs. Ça doit être moi certainement. Ouais, c'est ça. Une ouais. Salle de bain. Minus. Mais efficace. Merci, t'as tout éteint. Bravo Wiki. Hop. WC, ils sont là. C'est propre. C'est tout mignon. Ouh là là. Tadam. Viens par là. Alors? Alors, tu veux savoir quoi? Ben, le prix. Ah, je ne sais plus. Mais ici. Donc on paye 9 euros la nuit. Correct. Correct. C'est la deuxième nuit la plus chère depuis qu'on arrive au Laos. Mais bon, on est dans un lieu un peu touristique quand même. C'est fini les nuits à 3 euros, 4 euros quand même. On va pas toujours gagner. Il est temps d'aller découvrir le quartier, le secteur. Waouh ! Regarde comme elles sont belles. C'est des fosses en papier craft. Ouais, sûrement. Elles sont énormes. Ouais, allez, avance, avance, là, Vainé. Vainé, c'est gonflé. Là. Tu vois ? Tu as vu tous ces tatouages ? Waouh ! C'est un sacré bonhomme, hein ? Eh ouais ! Hey. Ouh, t'es tranquillement installé. Ah oui, j'ai vu une chaise libre, j'ai sauté dessus et j'ai vu qu'il y avait des mille chèques. Enfin, mille chèques, des chèques. Donc moi j'ai pris ananas et toi tu as pris mangue. Mangue, exactement. Mmh. Bon. Parfait. Tu te régales. Un orgasme fraîcheur. Oui, j'ai bien. Oh Nini, il a eu sa boisson. À défaut de glace, milkshake à la mangue. Ouais. Ça fait largement l'affaire, maman. Tu sais combien ça vaut, ça? Non, combien? 10 000 kips. J'ai montré le tableau tout à l'heure. Oui. Et donc, ça fait 55 centimes pour ce grand milkshake. Et il est excellent. Excellent, il n'y a rien à dire. J'espère juste que je ne vais pas me gaufrer parce que, bien sûr, j'ai chopé la chaise dessoudée, bien sûr. On a trouvé un nouveau petit paradis. Oui, on va y rester un petit moment, comme on l'a dit. Je crois que je l'avais annoncé de nuit. Hein. Je ne sais pas. Donc je sais plus quand si j'ai présenté la chambre. Il me semble. Bon, c'est pas grave. Donc nous allons rester de nuit, ouais. Et une journée. Bah demain complète. Oui, demain ce sera une journée super chill. Ah ouais, parce que là c'est calme. Hein. On va quand même prendre le scooter. On ouais. Vous expliquera comment c'est fait ici quand même. Ouais, on fera les deux îles. Oui. Elles sont juste séparées par le petit pont qu'on a emprunté tout à l'heure. Parce qu'ils ont dit 4000 îles, mais... Oui, il n'y en a pas 4000, on en parlera demain.
Bon, ben, du coup, on n'a plus rien à dire. Ben, il n'y avait pas grand-chose. Tu sais combien il y a d'îles exactement? Non. Ah, il y en a une centaine. Mais on en parlera tranquillement demain. Ils nous ont menti. Ah oui, ils nous ont bien menti, ouais. Non, mais c'est vrai, on est bien à 100 mètres de notre hôtel. Maman, j'ai des 1000 tchèques à 55 centimes. Ouais. Et je vais tous les goûter. Toutes les saveurs. Je vais remplacer mes papillons du 7-Eleven. Il va falloir rester une paire de jours. Il suffit d'aller en chercher un toutes les deux heures. Hein. Ouais, d'accord. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit... Bonne nuit les petits. Eh oui, maman. Là, j'en ai déjà mangé un. S'il faut, sur le retour, j'en prends un deuxième. Ah oui. Ah, tu vois ?